C'est pas facile, hein. Je voulais qu'on acclame ici une femme forte d'Abidjan Sud, Maman Loum. Je voulais qu'on acclame très bien Maman Loum. Et c'est une femme que notre papa a choisie pour Abidjan Sud. Vraiment, frères et sœurs, ce n'était pas facile pour moi, en tant qu'un sioniste. Vous savez, à Sion ici, si on ne t'attaque pas, tu ne peux pas casser le joug. Le thème de ce mois, c'est l'onction qui brise le joug. Mais quand le joug a vu mon onction, il voulait venir m'intimider. Vous voyez, ma fille, c'est ma première fille. Quand l'examen scolaire est arrivé, elle m'a appelé et dit, papa, il m'a l'examen. Il dit, ma fille, va prendre pour m'envoyer. Elle allait prendre pour m'envoyer. Elle était avec sa grand-mère à Nimblekoro. Où elle doit venir à Abidjan, chez son papa, pour exercer même... Ah. Où elle devait venir pour qu'on fête. Sa grand-mère a dit de soulever une boîte de tomates. Cinq boîtes de tomates que nous tous on connaît. Là. Quand elle s'est abaissée, elle a attendu un craquement au dos. Sa grand-mère m'appelle, ah, ta fille est malade. J'ai envoyé l'argent. Elle allait à l'hôpital. Ça ne va pas. Un mois, deux mois. Et, la rentrée approche. Même ma fille dans une voiture, il faut m'envoyer. Elle arrive, on va à l'hôpital. Je vais voir ce qui ne va pas. Le médecin dit, on n'a qu'à faire une radio. On fait la radio. Le docteur dit, ah, ta fille, elle a quel âge? Il dit, mais elle a 15 ans. Il dit, mais ce qu'elle voit là, une fille de 15 ans ne peut pas avoir ça. Il dit, ah bon? Il dit, ah, et on fait la radio, on vient. Le médecin dit, ah, ces os-là se touchent. Il dit, ces os te touchent. Moi, mon enfant qui a 15 ans, ses os se touchent. Ah, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ah là, vraiment, c'est compliqué. Il dit, ah bon, c'est compliqué, hein? D'accord. Donc, on allait faire, quand il a regardé, il a prescrit les médicaments. Il a prescrit les médicaments, ça allait bien. Et le mois passé, le 10, on allait à l'hôpital, le médecin a fait l'injection. Quand on arrivait la nuit, il lui demandait si ça allait, elle dit ça va. Trois jours après, elle me dit, vers 23h, on a fini de prier et elle allait se coucher. 23h, elle se lève, elle dit, ah papa, ça va pas. Il y a quoi? Elle dit, ah douleur là, c'est pas douleur d'avant là, ça a changé. Au moment où elle était en train de parler, elle s'est écoulée. Lève-toi, elle va partir, elle ne peut plus s'élever. Elle dit, quelqu'un peut venir me frayer dans moi-même ma propre maison. Elle dit, ah. Et c'est comme ça, je l'ai mise au dos. 80 kilos plus 70 kilos. Ah, quand c'est ton enfant là, tu as fait comment? Il est mis au dos. Jusqu'à arriver à la voiture, il restait un peu. Mais comme il est un lion, il a tout fait, on est monté à la voiture. En arrivant à l'hôpital, le docteur dit, aïe, mais il y a quoi? Il dit, ah, ça va pas. Au moment où le monsieur est en train de faire les injections, là, ma fille ne peut plus marcher, elle ne peut plus bouger ses pieds. Il y a quoi? Il dit, non, il ne peut plus bouger. Tu ne peux plus bouger, hein? Le docteur dit, mais ça, c'est quoi ça? Deux jours, trois jours, elle sent plus ses pieds. Il dit, ah bon? Comme moi, ici, un lion, je vais appeler Maman Loum pour l'expliquer. Parce que là, il y a secret. Vous savez, dans la vie, là, il y a secret dedans. Si tu ne connais pas secret, là, moi, je ne suis pas un chrétien religieux où on prie, hey, Seigneur, non, ma fille, non, non. Quand vous la voyez, là, elle doit aller aux États-Unis pour me payer une maison. Mais si elle est paralysée, elle fait comment? Donc, Maman Loum, depuis bon, allez-y, faites les autres examens et puis on va voir. On s'envoie IRM. Le monsieur dit non, on ne rentre pas là-bas. Il dit moi, je vais rentrer, je vais voir ce qui ne va pas là, je vais voir ça. On arrive, le monsieur regarde. Il dit mon frère, on va la faire porter une ceinture à la hanche. Moi-même, ici, son père, il ne porte pas de ceinture à la hanche, c'est ma fille qui a porté ça. Et il dit bon, il n'y a pas de problème. Mais après, il a vu que non, ce n'est pas possible. À la montagne de Sion, ici, là, le Dieu de mon Père, le Dieu, vraiment, nous allons acclamer la vie d'un homme. Je n'ai pas dit d'applaudir, j'ai dit d'acclamer. Je ne peux pas dire son nom, mais j'ai dit qu'on acclame notre papa. L'homme que Dieu a mandaté,
pour venir casser l'onction du joug dans nos vies. Ah. J'arrive à l'hôpital, sa grand-mère me dit, ah, depuis hier nuit, elle a fermé les yeux, elle ne peut pas ouvrir ses yeux. J'ai dit, ma fille, regarde-moi, elle dit, tchè. Regarde-moi, elle dit, tchè. Frère, c'est pas facile. Mais en même temps, étant chrétien, j'ai vu de l'autre côté. Vous savez, quand quelqu'un est malade, quand il ne peut pas te regarder en face, là, à ça que le temps est arrivé. Mais moi, il y a un homme ici, ah, il ne peut pas dire son nom. Il a le secret. Il est le 13e apôtre. C'est le que Dieu a établi pour nous sauver. C'est lui que Dieu a mandaté. Ah, il appelle Maman Loum. Il a dit, Maman Loum, l'heure est grave. Il faut appeler le numéro. Le numéro qui existe, mais ça ne passe pas. Mais quand il y a urgence, le numéro est obligé de sonner. Elle dit, mon fils, je t'envoie le numéro. Frère, quand il a appelé le numéro, le monsieur a décroché. Je ne peux même pas dire son nom. Quand il a décroché, il a dit, papa, l'heure est grave. Ta petite fille est en train d'être paralysée. Il dit, je m'en vais à la montagne de Sion. Arrivé là-bas, tu vas m'appeler. 30 minutes après, il dit, je ne peux pas attendre, papa. C'est pas bon. En même temps, il me dit, papa, viens attraper ma main. Il attrape sa main. Il me dit, papa, ils sont en train de m'envoyer devant un trou. Ils ont mis un drap rouge en bas de moi. Papa, ils vont me pousser dans le trou. Ah là là, il me suis énervé. Ça caille, papa. Je me suis énervé. Il a dit, Jésus, tu ne peux pas permettre ça. Moi, je n'ai rien fait à quelqu'un. Je n'ai pas tué enfant de quelqu'un. Personne ne peut venir prendre ma fille. Ah, le combat spirituel. Le combat que papa nous a montré ici. Là. On casse, on brise. Casser, briser la frère, ça sauve. Ce n'est pas une affaire de... Je suis allé loin à l'école. Et quand ma fille a attrapé sa main, les chrétiens religieux qui étaient là, ils étaient en train de pleurer. Il a dit, sortez là-bas. Qui vous a dit ces funérailles? Moi, je dois venir témoigner à la montagne de Sion, vous pleurez. Qui t'a dit qu'on pleure, on témoigne? Papa a décroché. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, papa, l'heure n'est pas bonne que ma fille, voilà. Il dit, ah bon? Et papa a commencé. Vous savez, quand il y a un problème là, il y a les personnes qui sont mandatées, leur bouche, il y a quelque chose dedans. Quand il a pris le micro, papa dit, sorcellerie, tu es dévoilé au nom de Jésus. En même temps, ma fille dit, papa, serpent en train d'attacher mon pied. Il dit, non, ce n'est pas serpent. C'est la nuée de Dieu même qui est venue t'enrouler. Papa a prié, papa a dit c'est fini. Quand papa a dit c'est fini, ses yeux qui étaient fermés, ses pieds qui, tout était bloqué. Ah frère, il y a un secret dedans. Oh. C'est pas moi qui ai parlé. Quelques minutes après là, elle a ouvert ses yeux. Docteur est venu. Il a dit, docteur, c'est vrai, tu es allé à l'école. Mais laisse ça là, ce n'est pas une affaire de médecine. C'est une affaire de combat. Mais regarde son main. Frère, en plein 13h, quelqu'un veut pousser facture dans un trou. Pendant que tu as un père, le 13e apôtre, le fils de notre grand-père, le grand-père qui est venu ici, qui a décrété toutes choses, c'est-à-dire avant que papa donne un puissant thème là. Si le grand-père, remarquez bien, quand le grand-père doit venir là, l'environnement, c'est-à-dire c'est favorable à nous tous. Quand papa, quand le grand-père même franchit le seuil de la porte là, moi-même, il sourit seul, ben, il sait qu'aujourd'hui là, si quelqu'un te devait là, il est obligé de payer ton crédit. Ben, quand tu vas l'appeler là, il va payer. Et le médecin est venu. Le médecin dit, il y a quoi? Vous faites trop de bruit ici. Il dit, vrai, je te respecte bien, mais laisse ton argent là, je vais payer ça. Mais laisse, il est traité mon affaire chez toi ici. Ben, c'est chez toi ici que je dois traiter. Et je suis venu à Sion ici, et puis... Ma fille, elle dit, papa, je peux plier mes pieds. Papa, tout, mes pieds là, je sens mes pieds maintenant. Mais comme le thème de ce mois là, on dit c'est l'onction qui brise le joug. Il n'a pas béni ma fille cadeau. Il fallait que moi-même là, il puisse faire quelque chose pour moi. Il a dit, Seigneur, tu ne peux pas faire pour ma fille et puis moi-même, le père même là, tu ne peux pas. Il faut faire quelque chose. Frère, il y avait mon 3e là-bas, il a commencé. Quand... Pour ma fille a été réglée, on m'envoie une mise en demeure. Et ma secrétaire vient, pleure, dit, ah, on dit non, de quitter, comment si? Il a dit, mais mise en demeure là, moi, ça va se transformer. Moi, il y a un autre coin où ils voient là-bas, ils vont m'appeler. Et en même temps, le lendemain, on m'appelle, on dit, ah, monsieur Kwaku, ah, on a besoin de vous, hein, en Mambo, dans une grande station là-bas, venez, on envoie. Et
Moi, je suis simple. J'ai pris ma petite moto et c'est allé. On me regardait comme ça. Ah, mais il est là. Attends, quand tu es chargé là, c'est pas fait d'habits. Quand c'est arrivé, la femme qu'on a fini de faire entretien là, elle dit, tu commences quand? Elle dit, moi-même là, samedi même, je viens commencer. Parce que dimanche, je m'en assurant. Donc samedi, je viens commencer et puis je viens déclarer à notre Dieu qui est ici là. Que ah, moi, quand quelqu'un m'effraie là, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte là-bas. Moi, je dois aller profiter. Donc frère, tous ceux qui sont à la montagne de Sion là, ne pensez pas qu'on vient ici là pour profiter. Parce que moi, je dis toujours, on n'a qu'à bénir le peuple à baie. Ben, c'est de là-bas que notre papa est sorti. C'est de là-bas que l'homme de Dieu est quitté pour venir donner la révélation. S'il ne quittait pas là-bas, nous, on allait profiter de quoi? Mais regardez, on effraie ma fille. Elle va, quand son professeur l'a vu, il dit, mais vous avez dit que votre fille était, elle ne sentait pas. C'est trop, il lui a dit, c'est trop petit pour toi. Et nous, assisons ici, là. Bishop, mets un truc là pour qu'on sente qu'à Sion ici là il y a tout. Parce que je ne peux pas partir comme ça sans danser. Ma fille, c'est-à-dire qu'il faut montrer aux gens que. Attends, comme je dis, attends. Bishop, attends. Quand ma belle-mère était là, j'ai dit à ma belle-mère, quand tu vas arriver au village là-bas, faut dire que tu es venu te reposer. Faut pas dire que ta petite fille était malade. Il a demandé devant elle. Ma fille, est-ce que tu es malade? Tu as entendu non? Quand tu vas arriver, il faut dire non, mes enfants m'ont appelé pour venir me reposer parce que moi, je ne suis pas malade. Donc, le chant de je ne suis plus malade là. Bishop, nous, on veut danser parce que c'est pas facile. Merci, que Dieu vous bénisse. Mes oreilles, amen. Mes oreilles avaient entendu. Acclame le Seigneur. Maintenant.